Bonjour à tous. Au mois d'octobre, vous vous en doutez, nous allons fêter l'horreur au PPG. Ouh, bah dis donc, il aurait pas pris un coup d'accordéon dans la gueule, Ronald McDonald? Et quoi de mieux pour fêter Halloween que de vous parler de la série Expérience Interdite? Oui, je sais, c'est une courge, j'ai pas trouvé de citrouille. Désolée. Expérience interdite? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça n'a rien à voir avec l'émission de Discovery Science qui porte le même nom. Mais si, vous savez, l'émission où on peut voir des expériences scientifiques réalisées par des pétés de la tête. Si une femme donnait naissance à un enfant dont le père est un singe, cet enfant serait-il un animal ou un être humain? Mais oui, tout à fait. Non, Expérience interdite, c'est une série américaine d'angoisse qui en VO s'appelle Perversions of Science. C'est encore un champion qui a traduit ça. Pas flippante du tout, les affiches au passage. Elle est composée d'une saison de 10 épisodes, diffusée en 1997 sur HBO. En France, on la retrouve dès 1998 sur la chaîne 13ème rue. My whole life you've been following me. Everywhere I look, there you are. Now I want to know who you are and what you want from me. La série qui fête ses 20 ans cette année est un spin-off. Une série dérivée, si vous préférez. Des contes de la crypte. Autre série méga flippante. Je vous salue, ami vautour. Et je vous invite à pénétrer dans les coulisses du théâtre de la cruauté. Sauf qu'Expérience interdite est nettement plus axée science-fiction et qu'elle n'est pas présentée par un vieux squelette tout moisi fabriqué en tissu de slip, mais par un robot nommé Chrome. Google, t'as rien inventé, tu peux aller te rhabiller. Elle est créée par Richard Donner, réalisateur des Goonies et de L'Arme fatale 1, 2, 3 et 4. De ouf. David Giller, scénariste d'Alien. Walter Hill, producteur des Alien. Encore. Joel Silver, producteur des Matrix. Rien que ça. Notre Robert Zemeckis adoré, fameux réalisateur de la trilogie Retour vers le futur. Nom de Zeus. Et à la musique, Danny Elfman, le célèbre compositeur des films de Tim Burton. Bref, le gratin. Une série avec un mec qui te menace dès la première seconde. The following program contains scenes of violence, nudity and mature subject matter. Des gosses qui n'ont aucun respect pour celui qui passe l'aspirateur. Des infirmières légèrement envahissantes. You've been having a rough time lately. But I think you're going to be okay. You're going to be just fine. Et des gens qui découvrent la gueule qu'ils ont lundi matin. Retrouvez aussi Loana déguisée en robot qui se tripote un nichon. Marilyn Monroe sous acide. You have a lot of pressure stored up inside you. Not very healthy sugar. Ou encore Nadine de Rothschild dans sa toute dernière cassette. Fuck. Découvrez en exclu le chirurgien le plus adroit du monde. Des mecs de bonne humeur le matin. Bitch. Des hommes mi-hipster, mi-robot. Un gars qui ne connaît même pas sa vie. Come here often. Et des gens possédant un bel organe vocal. Attention, cette série contient des radios réveils qui ne vous seront d'aucune utilité. C'est la possibilité que vous pourriez expérimenter un kind of discrete psychotic episode. Psychotic episode, psychotic episode. Des jets d'urine venus du ciel qui vous désintègrent. Des mecs qui se gueulent dessus alors qu'ils sont à un mètre l'un de l'autre. Daddy, help me! Le gamin qui va suivre n'est pas une lumière. La série est disponible sur YouTube. Il vous suffit de taper Perversions of Science pour la trouver. En anglais uniquement, malheureusement. Je vous dis à bientôt. Fêtez bien Halloween. Et au prochain anniversaire de série. Bye.